Hello, yes, ça y est, on est en direct. Donc cette vidéo est la suite de la vidéo précédente dans laquelle j'avais commencé à analyser et modéliser les sites web des gourous du développement personnel tels que David Laroche, Franck Nicolas, Max Piccini, David Lefrançois et d'autres que j'ai décidé de rajouter à la liste. J'avais dû interrompre la première vidéo parce que j'avais une interview qui commençait. Si tu ne l'as pas vue, regarde la petite fiche ici ou dans la description juste en dessous. Tu vas trouver un lien pour regarder cette première vidéo avant de regarder celle-ci. Ça aura plus de sens. Dans la précédente vidéo, on avait commencé, j'avais terminé l'analyse du site de David Laroche. Et je m'étais interrompu et là, on va regarder la suite des sites, qui je rappelle, en fait, le but, c'est de modéliser les sites des gourous. Pourquoi? Parce qu'ils ont beaucoup de data, ils ont beaucoup de données, ils sont bien accompagnés, tout ça. Et donc, l'idée, c'est comprendre quelles sont les best practices utilisées par chacun, quelle est l'approche qu'il utilise, de manière à pouvoir s'en imprégner, faire son propre mashup, son propre mixture, et pouvoir recréer un nouveau modèle reprenant le meilleur de chacun, tout en évitant ce qu'on n'a pas aimé chez chacun. Et c'est comme ça qu'on est original, plutôt que sortir de simples copies. Et je sais pas quand est-ce que tu verras cette vidéo. Le but pour moi de remodéliser, en fait, c'est de mettre à jour une nouvelle formation, créer un site web pour les formateurs, les coachs, les consultants, les prestataires de services, les leaders, les auteurs, influenceurs, grâce à LearnyBox. Donc, je vais partager mon écran. Tac, hop. Là, on est sur le site de David Laroche. Bon, voilà, j'avais terminé en montrant la page qui présente le sommaire de toutes les formations. On va aller voir maintenant le site. Alors, ça, c'est encore David Laroche. Donc, je vais libérer des onglets au fur et à mesure. Tac, tac, tac. Et nous voici sur le site de Franck Nicolas. OK. Alors, c'est marrant parce que dans les commentaires, la vidéo précédente, certains spectateurs ont expliqué que ce n'était pas du tout les mêmes énergies. Et c'est vrai, en fait, à juste titre, je trouve. Attends, est-ce que je peux changer? Voilà. À juste titre, ce qu'expliquait la commentatrice de la vidéo précédente, c'était que Olivier, pas Olivier Roland, David Laroche avait une grosse audience féminine et Franck Nicolas avait une audience plus masculine. Et c'est vrai que je ressens ce truc-là aussi. Je sens Franck plus mâle, quoi, très clairement. Donc, alors on va voir ce site. On arrive. Donc ça, la première partie, c'est ce qu'on appelle le fold. Moi, qu'est-ce que je regarde en premier? C'est, je vois bien, on a bien notre héros. On a son slogan, le monde a changé. Et vous, 5 semaines pour rebondir et saisir la nouvelle opportunité dans ce nouveau contexte économique. Ok, donc là, direct, il propose un tunnel, comme David Laroche d'ailleurs. Au passage, ah putain, là, une blinde de pop-up. Ok. Dans son menu, les formations offertes. Donc ça, c'est tous ces tunnels. Sommet Spark, gratuit, Abondance, gratuit. Donc ça, c'est des webinars Evergreen. OK. Ces formations, et précise, éligibles au CPF. Programme 110, programme Startup. OK. Donc ça, j'imagine, c'est pour les particuliers. Ça, c'est pour les nouveaux créateurs d'entreprise. Tous ces programmes premium, j'imagine, qui ne sont pas forcément éligibles pour le CPF parce qu'ils doivent être plus chers, je pense. Je ne vais pas tout regarder, mais on voit qu'il y en a beaucoup. On a une boutique, c'est ça, c'est produits physiques. Donc agenda, programme audio, vidéo, les livres. Ça, c'est pour du coaching. Tiens, on va aller voir, ça m'intéresse. Ça, c'est ces événements. OK, startup, tout ça. Donc, Franck, si tu vois cette vidéo, sache qu'un jour, je vais devenir client, je vais me déplacer soit dans un de tes masterminds, soit dans un de tes événements. Peut-être dans un événement pour commencer. Ensuite, tout de suite, il propose donc de rejoindre la newsletter. Avec quoi? Obtenez 5, gratuitement 5 semaines de coaching intense. OK. Donc, ça, c'est ses follow-up. Maîtrisez toutes les sphères de votre vie. Découvrez nos solutions pour passer à votre vie et vos affaires à 110. Donc, là, on a les programmes de formation. J'imagine que c'est le résumé de ça. Donc, vous ne voyez pas, mais je regarde en bas à gauche les URL, à quoi ça correspond. Tiens, tu vois, cette URL-là, c'est globe.cc/formation. Et là, c'est la même URL. Coaching, livre best-seller. Allez, on va ouvrir tout ça dans les onglets. Ensuite, on a la liste des événements à venir. Ensuite, on a les différentes ressources, enfin les différentes expériences proposées pour consommer les ressources gratuites de Franck, telles que le blog, la chaîne YouTube, j'imagine, ouais, YouTube playlist, ou le podcast. Et finalement, j'imagine que tu vois, les trois contenus sont exactement les mêmes. C'est juste des expériences différentes. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui préfèrent écouter des podcasts parce qu'ils passent beaucoup de temps dans les transports, d'autres qui vont préférer regarder des vidéos pendant les déjeuners ou avant de dormir, et d'autres qui préfèrent lire.
Notez au passage que les sources de trafic vont être différentes. C'est-à-dire que le blog, ça permet de générer du trafic SEO. YouTube, ça permet de générer du trafic SEO depuis YouTube aussi. Et le podcast, podcast, je ne sais pas trop en fait. Mais les trois sont des modes de consommation différents. Ou quand tu les consommes, tu es dans un mindset différent, tu vois. Et je trouve que le podcast, tu vois, c'est lorsqu'il y a le moins d'audience, mais je trouve que le niveau d'attention, c'est là qu'il est le plus élevé. Ensuite, retrouver Franck et Nicolas sur les réseaux sociaux. OK, donc là, c'est Mentor qui le recommande. Son storytelling, derniers articles du blog. Et là, en footer, on retrouve la même chose que dans le menu. OK, super. Ça, c'est une belle page d'accueil. J'aime bien. On va voir la page coaching. Donc, ça explique quoi? J'ai mon coach. Là, on a coach d'entreprise. Et là, coaching avec Franck. OK, donc j'imagine ces expériences différentes. Choisissez votre expérience de croissance. OK, donc on va tout ouvrir dans des onglets. Hop, hop, hop. Donc, on va commencer par j'ai mon coach. Réservez votre séance de coaching personnel. Donc là, j'imagine que c'est effectué par des coachs, des élèves en fait de Franck. Régulier 6 mois, 800 balles par mois. Paiement une fois. Ah, c'est bien, mon lapin, franchement. 12 mois à 7 500 euros si tu paies une fois, 18 mois à 10 000. Ah, c'est bien, cool. Paiement mensuel, paiement one shot. Ok, cool. Bravo, ça c'est une belle offre, ça m'inspire. Par contre, si tu ne le vends pas trop, moi j'imagine que ça doit être dans un petit tunnel. Coaching d'entreprise, donc là c'est uniquement, voilà, là, pour cas commercial, rappel. Et coaching privé avec Franck, ok, bah, c'est pareil. Ok. Côté formation, on a quoi? Programme Spark, programme Starter, programme 110, confiance illimitée. Ok, donc cette page liste toutes tes formations. Cool. C'est simple, c'est sobre. Et donc là, j'imagine que tout ça amène à des pages de vente. Alors, je ne vais pas éplucher les pages de vente en entier. Je vais juste voir donc ta stratégie. Tu vois, Franck, à chaque fois, il utilise des noms de domaines différents. Segmenté. C'est bien, ça crée une impression d'empire en fait quand il y a ça. Et d'un point de vue SEO, c'est excellent. Maintenant, non, Franck ne fait pas de SEO. Ok, bon voilà, un tunnel, grosso modo, un domaine par tunnel. Ça se tient, ça se fait en fait. Donc dans ce tunnel, on a quoi? Par tour, donc à chaque fois, inscription fermée. Là, il propose ce qu'on appelle une waiting list, une waitlist, une liste d'attente. Ok, et là, donc ça c'est un tunnel, accès gratuit dès maintenant. Ah, ça c'est la petite offre abonnement. Ok, donc accès gratuit dès maintenant pendant 30 jours, puis 297 balles par mois. Ok. Coaching. Donc, moi, ce que je retiens de sa page d'accueil, tu vois, bah déjà, elle est dans les mêmes palettes de couleurs que moi. J'aime bien ça, sauf, il faudrait que je vous montre aussi, que je vous fasse l'analyse de mon propre site web aussi. Dites-moi si ça vous chauffe que je le fasse, parce que mon site web actuel, vraiment, il est pensé stratégique, quoi, comme un tunnel, mais. Avec un contexte. Ce qu'il faut savoir, en fait, une des questions à se poser, c'est quoi le mindset? Quel est le niveau d'attention de la personne qui visite la page d'accueil de ton site? Et tu verras que c'est toujours, en fait, quelqu'un, c'est du trafic chaud qui visite la page d'accueil. C'est soit quelqu'un qui a tapé le nom de ta marque dans Google et donc il atterrit sur ta page d'accueil, soit c'est quelqu'un qui consommait tes contenus à l'intérieur de ton site, je sais pas, un blog par exemple, ou les tunnels. Et qui va aller atterrir sur ta page d'accueil depuis un lien interne. Donc, c'est un trafic super intentionniste. Et moi, ma stratégie pour mon site grosshacking.expert, c'est. Moi, je vous en reparlerai une prochaine fois, ou tout simplement, tiens, bah, va voir grosshacking.expert et tu me diras ce que tu en penses. Donc, c'est bien, Franck. Moi, j'aime bien le modèle. Peut-être que. Non, c'est bien. Honnêtement, j'ai rien à dire, en fait. C'est bien. Ok, on va aller voir maintenant. Ah tiens, là, je suis sur le tunnel de livres. Ah ouais. Auteur de plusieurs livres. Ok. Donc pareil, il y a plusieurs expériences, les audiobooks, les PDF, format papier. Ok, cool. Maintenant, on va aller voir le site de David Lefrançois. Donc pareil, noir et blanc, et gris et bleu. On est dans les mêmes palettes. Donc quand on arrive sur sa page d'accueil, direct, il propose, donc on le voit lui, des programmes pour améliorer bien-être et performance. Ok, tiens, on est sur un fond vidéo en plus, j'ai l'impression. Si je rafraîchis, peut-être qu'on va le voir bouger. Ouais, tu vois, il y a une vidéo derrière. Ok.
Donc, formateur de coach neuroscientifique, ok. Programme premium. Donc, il affiche directement ses programmes sur la page d'accueil de l'Île-de-François. Donc là, on a une formation, programme. Donc, il appelle ça tout programme premium. Ok, on a quatre programmes. Ils nous font confiance du social proof. Alors, notez que, en général, les autres social proof, ils le mettent tout en haut, juste au-dessous du fold. Et en général, on met le héros ici avec un message là qui va annoncer la mission. Actualité, donc là, c'est ses dernières vidéos ou des vidéos choisies pour sa chaîne YouTube. Et là, dans le footer, bah, il se passe plein de choses intéressantes. Accueil, conditions générales de vente, politique de confidentialité, politique de remboursement. Et après, il propose de la navigation à travers. C'est quoi? C'est que les programmes Code Quantum. Donc, on regarde dans l'URL, vous voyez, en bas à gauche. Voir product, donc ça j'imagine c'est les produits à vendre, c'est que ces formations product. Ok, on va juste ouvrir brièvement deux trois formations. Ici on a les réseaux sociaux. Tiens, je vois à quoi elle ressemble sa page contact. Bon, les conditions générales de vente, tout ça, il y a toujours des choses intéressantes, mais je vais pas y aller. Ça doit être sa page de liste de sommaire. Tiens, je vois dans l'URL qui est écrit collection. Donc j'imagine que son site, il est sous Shopify. On va aller voir ça. Devenir coach. Ah, c'est intéressant ça. Formation en ligne, formation présentielle. On va voir à quoi ressemble sa page contact. Ici, il y a ses réseaux sociaux. Okay. Bon, je suis un petit peu moins fan de la page d'accueil de David Lefrançois. J'insiste sur le fait que c'est pas parce que je suis pas fan de la page que ça n'enlève rien au level. Pour moi, je pense que c'est un des meilleurs coachs francophones. Ok, donc Code Quantum. Là, il explique son petit programme à 97 balles. Ok, c'est simple, le programme. Pas de fioritures. Parfait pour du trafic chaud. Apprendre facile. Donc, la stratégie de David Lefrançois, quand même, je pense que c'est vraiment une stratégie d'organique. Très peu de publicité. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu de publicité. Même quand je fais des sessions d'espionnage où je passe par un VPN. Mais bon, il a tellement de trafic organique, je pense que pas besoin de la pub, quoi. Je pense qu'il fait facilement plus de 100 000 euros par mois juste avec l'organique. Et bon, c'est la même chose, tu vois, toujours très sobre. Oh, c'est vraiment minimal, quoi. Ah, j'arrive pas à acheter là, David. Et si je passe par là, ok, ouais, ça ressemble vraiment à du Shopify. C'est du Shopify en plein dans le mille. Donc c'est marrant, tu vois, la stratégie, là où la plupart utilisent des Kajabi, l'Ordibox, ClickFunnels ou WordPress, la stratégie de David Lefrançois, ok, Shopify, dans la simplicité, l'efficacité. Je trouve que c'est assez lean, tu vois, straight to the point. C'est bien, simple, efficace. Je suis pas fan, mais je trouve ça simple et efficace. Bravo, David. Tac. Ok, voilà, zapper. Ouais, bon, un site sur Shopify, tout ce qui est plus classique, en fait, tout simplement. Ok. Ok. Institut des neurosciences. Donc là, on a un site plus classique, entrepreneur, quoi. Les formations, l'équipe, calendrier, brochure, médias, répertoire. Notez que c'est intéressant, ça, brochure et médias. Média, c'est bien d'avoir cette page, tu vois, dès lors que tu sais que tu vas faire des interviews, tout ça, tu vas mettre sur une page des kits presse, tu vois, photos, storytelling et tout ça. Comme ça, quand la formation, okay. Quand tu es en contact avec des influenceurs, des leaders, des journalistes, tout ça, bah, tu as juste à leur donner l'URL qui contient tous tes kits de presse et médias, tu vas avoir besoin d'envoyer. Demande de brochure. Okay. Intéressant la stratégie brochure. Il faudrait que je vous en parle un jour. C'est un vrai tunnel, ce truc-là. Par exemple, moi, tu vois, quand tu réserves un appel Calendly avec un expert de mon équipe, justement, on t'envoie une brochure. Des témoignages. OK. Ce n'est pas mon site préféré, celui de David Lefrançois. Donc là, on est sur le site de Max Piccini. Ok, les cookies. Tiens, d'ailleurs, c'est pas tout le monde qui demande les cookies. Donc là, on a un carrousel avec Max dans ses immersions. Lead your life, passer le test d'évaluation. Intéressant ça. Pop-up, passer le test. It's my tree. Ok. Ah, it's my tree. Ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle la stratégie de quelqu'un, ça, mais je me rappelle plus qui. Je pense qu'il y a un quiz de qualification derrière avec un closer.
passez votre test. OK, du social proof. Une vidéo, donc là, ça va raconter la mission de David, voire la troisième personne, j'imagine. Vous êtes un leader dans l'âme. Il ne demande qu'à se révéler et croître. OK, donc là, c'est un pitch de Max directement. Ah, il est tout jeune, là, il est mignon. J'ai envie de voir, j'aimerais bien savoir de quelle année date cette vidéo. OK, donc c'est une vidéo de motivation. Alors, cette vidéo-là, elle date de quand ? 2015. Eh ben, t'as bien glow up, Max, bravo. Tu vieillis très très bien. Et au passage, tu fais tellement beaucoup plus avec ta femme. C'est trop mignon tous les deux. OK. Donc, que voulez-vous aujourd'hui ? Atteindre mes objectifs, créer un couple heureux, accroître mes finances. Donc, voilà trois angles. Une audience unique avec des gens qui ont des objectifs différents. Samanou, pop-up, pop-up, pop-up. OK. Donc là, tu dois avoir une inscription à trois newsletters différentes, j'imagine. Le petit parti storytelling, voilà, qui est Max Piccini. Des success stories, les clients, OK. Où en êtes-vous? Passez le test. OK, donc ça, ce test-là, c'est vraiment un quiz justement de qualification qui va permettre à un closer généralement ou de t'inscrire dans les bonnes séquences mail de relance, de follow-up pour te vendre, t'engager, te nurturer. Notez au passage que ce qui se distingue un petit peu des autres chez Max, c'est que voilà, Jack Canfield, on le retrouve chez Franck Nicolas, on le retrouve chez David Laroche, donc j'imagine que les trois ont été des étudiants de Jack Canfield. Mais ce que je vois, tu vois, c'est qu'il y a des people chez Max Piccini, chose que je n'ai pas vue chez Franck Nicolas et David Laroche. Découvrez les séminaires et formations. Donc là, en bas à gauche, on a votre destination réussite, Max Piccini Finance Max, Life Max, Business Max, Excellence Coaching Academy. Donc voilà, on dirait que chacun monte son école de coaching aussi à chaque fois. Bon, c'est bien, ça vous permet de créer une opportunité, make money. Investissez en vous, on propose le livre. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais à chaque fois, tout le monde est auteur d'un livre. Dédicace, Olivier Ranochat. 5 secrets, guide gratuit, OK. Donc, il y a le PDF. Je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube qui s'appelle « Le marketing des religions », où vous allez voir que tous les gourous et toutes les religions, ils ont tous leurs PDF, le mastermind, le rendez-vous hebdomadaire. Enfin, tu vois, on retrouve exactement le même code à chaque fois en marketing. OK, dans le footer, on a quoi à propos? Contact, support client, ça c'est très intéressant. Rejoignez nos équipes, recrutement, OK. Conditions générales, vie privée, affilié, OK. Et dans le menu, en haut, les séminaires, les programmes en ligne, coaching. On va aller voir sa page, coaching. On va aller voir aussi à quoi ressemble le blog, livres, ressources, presse. Et là, les raccourcis vers les réseaux sociaux. OK. Donc, Max Piccini, pourquoi avoir un coach de réussite? Donc là, il te vend du coaching avec ses étudiants, ses coachs. Master coach certifié. OK, il y en a trois. D'accord, donc c'est bien. C'est pas Max qui fait les coachings lui-même. Cool, tu as raison, Max. Je devrais faire pareil. La possibilité de contacter, OK. Le blog. Voilà. Donc là, sur la page d'accueil de son blog, il affiche donc les catégories des articles. OK. Donc là, ce qui se passe, tu vois, c'est qu'en faisant ça, il valorise d'abord la segmentation, tu vois, de ton intention, de tes objectifs, tu vois, avant de valoriser les articles. C'est pas mal. C'est une idée. Réussite maximum, le livre, OK. OK, donc c'est un tunnel spécial pour le livre. Je trouve que le social proof de Max Piccini, moi, me parle plus, en fait, que celui de Franck Nicolas ou David Laroche. Parce que tu vois, quand tu vois du Jack Canfield ou Les Brown, tout ça, c'est déjà, en fait, tu vois, en fait, grosso modo, il te suffit, entre guillemets, d'accord, il faut pouvoir le faire, il faut avoir le mindset de le faire, parce que ces gens coûtent très cher, de devenir client pour obtenir leur témoignage. Tandis que là, tu vois, je pense que ça, tu vois,
Patrice Lafargue, Taïk Chris, je pense que c'est des clients, tu vois. Donc, ça a plus de valeur. Enfin, ça a plus. Non, c'est pas plus de valeur, c'est une valeur différente. Voilà. Mais ça me parle un peu plus. Ok. Là, c'est l'équipe de presse. Ah, en fait, c'est tous ces passages télé. D'accord. Je suis surpris, j'en ai vu aucun qui fait une page dans laquelle il propose d'être conférencier ou d'intervenir dans des interviews ou quoi. Donc, on va voir le site Entrepreneur Libre. Ça, c'est qui? C'est Sébastien Knight. Donc, j'en parlais dans la vidéo précédente. Sébastien, qui a fabriqué beaucoup de petits, qui est le papa spirituel marketing de beaucoup d'infopreneurs. C'était le premier en France, je pense. Je ne comprends pas qu'il soit si peu visible. J'aimerais bien, si vous avez des avis, que vous me disiez dans les commentaires, selon vous, comment ça se fait que Sébastien Knight ne soit pas plus populaire, quoi. Donc là, il propose son livre. D'ailleurs, j'ai lu son livre, que j'ai kiffé. Donc, on a quoi? Ben là, on a un petit problème là, dans ton menu, Seb. Tu vois, là, ça glisse sur la deuxième ligne. D'ailleurs, tu n'avais pas ce problème-là. Et notez que c'est intéressant ce truc-là, la petite enveloppe avec la notification, ça donne envie de cliquer ici. Donc, le mouvement, le plan d'action, le blog, les séminaires, le livre, rejoindre l'équipe contact. Donc, on va t'ouvrir. Donc, le mouvement, ça reste sur cette page-là et ça va descendre, je pense. Hop, 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 et hop. Alors, j'avais consulté le site de Sébastien il y a 3 ans. Je l'avais trouvé très inspirant. J'avais trouvé des bonnes idées. Donc, ça, c'est son mouvement. Ouais, notez que c'est important, tu vois. J'ai pas vu ailleurs. Quoi si David Laroche le faisait aussi. C'est qu'il parle de mouvement. Et ça, c'est un truc qu'on apprend dans le livre de Russell Brunson. Et j'ai kiffé. Il m'a fallu beaucoup de temps pour me l'approprier. C'est que si tu deviens un bon leader, tu es amené à créer un mouvement, une communauté de gens qui vont te suivre en tant que leader. Et là, tu vois, c'est le premier truc qu'il met en avant, Sébastien Knight. Donc voilà, c'est lui qui a fabriqué, entre guillemets, Olivier Roland, dont on va parler dans quelques minutes. Parler directement à notre équipe, assister à un séminaire gratuit, profession entrepreneur libre. Là, il parle de ses séminaires. Là, il y a son blog qui reprend les vidéos du blog, ça se voit ici. Donc là, attention, on voit tes variables. On va aller voir un article de blog, à quoi ça ressemble. À propos, donc là, tu vois, c'est pas un storytelling sur qui est Sébastien Knight, là, mais sur qui est le mouvement. Nous vivons dans un monde d'abondance, nous savons que nous pouvons porter nos conseils dans un. Donc là, ça relève du manifeste, ce truc-là. CGV, objectif. Ah! Allez voir les CGV de Sébastien Knight, le marketeur français, sur Entrepreneur. Allez voir, je n'ai pas les épluchés là avec vous, mais je me rappelle les avoir épluchées et elles sont juste excellentes. Un vrai modèle d'implication et tout. Allez voir ces CGV, franchement, elles sont vraiment top. Ah, ça y est, le fondateur. Sébastien Knight, surnommé le marketeur français. Alors, ça me fait marrer ce truc-là, parce que tu vois, le surnommé le marketeur français, selon moi, je pense que c'est lui à la base qui se surnomme le marketeur français. Et après, tout le monde adopte ça en disant, en l'appelant le marketeur français. Et voilà, je trouve ça smart. Faut oser, mais c'est smart. Et un truc que je trouve vraiment bien, tu vois, c'est qu'il donne ses sources, il donne ses mentors, il donne avec qui s'est formé, tu vois. Et il y a peu de gens qui ont le courage de le faire. Et je pense que, donc tu vois, moi aussi, je me suis formé avec Frank Kern, un petit peu Jeffrey Walker, un petit peu Tony Robbins, pas mal Brandon Burchard, que j'ai adoré vraiment de ouf. Tu vois, Frank Kern et Brandon Burchard, c'est deux gourous pour mon marketing digital. Voilà, vraiment. Brandon Burchard, il s'est vachement redirigé aussi sur le coaching, tu vois. Enfin, voilà, j'adore les deux. Ensuite, Tony Robbins, ensuite Jeff Walker. Et je pense que si j'ai suivi justement leur instruction, je pense que c'est parce que je les ai vus sur le site de Sébastien. Donc là, il y a une page aussi où présentation où il va expliquer, j'imagine, qui il est, ses valeurs, sa mission, tout ça. La newsletter, et là, voilà, on a les piliers d'un article, d'un site corporate. Notre mission à propos de Sébastien Knight, les habitudes des entrepreneurs, donc ça, c'est le manifeste. Nous recrutons, contactez-nous. Le blog, là on a des articles piliers. Comment se lancer, créer une entreprise, automatiser ses ventes, stratégie marketing. Tiens, on va aller voir ce qu'il y a. Là, il y a ses formations. On va les voir également.
Blogami, donc là, il fait du SEO, ok. Architecture d'intérieur Guadeloupe, ok. J'imagine que c'est des boîtes dans lesquelles il investit, ou alors des amis, tout simplement. Ok, donc là, je me prends une pop-up qui veut me faire acheter son livre. C'est bien l'image en fond comme ça. Ok, on a un problème là de HTML, de overflow là. Donc, tu vois, il y a plusieurs ascenseurs. Si je valide ça, peut-être ça va partir. Non. Ok, donc le plan d'action. Regarde attentivement la vidéo. Ok. Et après, complète. Donc là, on a un quiz de qualification. Voilà, pour savoir, pareil, dans quel tunnel, dans quelle séquence mail on va inscrire le prospect. Je suis chef d'entreprise, je suis solopreneur. J'ai un projet, mais je ne suis pas encore lancé. Je n'ai aucune idée de ce que je veux faire. Ok, donc tu vois, typiquement, c'est le customer journey. Et ça, c'est étape 4, étape 3, étape 2, étape 1. Donc on commence là, après on va là, après on va là, après on va là. Il y a un tunnel pour chacun de ces avatars. Prise de rendez-vous, voilà, session stratégique. Ok, donc c'est un appel de vente typique. Remplir le questionnaire. Ça pourrait être intéressant, je pense que j'irai voir à quoi ressemble son questionnaire par la suite. Ensuite, le blog, à quoi il ressemble? Nous croyons pouvoir l'information, les articles les plus vus, ok. Naviguer dans le blog, donc là on a les catégories. Ok, il est stylé, hein, je reconnais, je pense que le site il est powered by WordPress. Un peu agressif là, les pop-up, je trouve. Sur chaque page, ça fait un petit peu beaucoup. Bon, après, j'ai pas une navigation naturelle, puisque je suis en train de modéliser. Il y a tous ces séminaires, avant, ces séminaires virtuels, 3 jours, ok. La vidéo directement, inscription, ok. Ce que j'aime bien chez Sébastien Knight, c'est que il le dit quoi. Je crois qu'il bosse 4 heures par jour ou quoi, et fait tout dans ce sens. Et je trouve ça vraiment très très smart. Toutes les clés en main, profession entrepreneur. Donc là, il vend ses livres, ok. Là, c'est le livre de Jeff Walker traduit en français sur le lancement orchestré. Ah, c'est son dernier livre, ça. Préfacé par Sébastien Knight, ok. Ça, c'est si tu veux bosser pour lui. Ça aussi, franchement, allez voir, c'est extrêmement puissant, ces pages-là, nos principes, notre manifeste et notre Dream Team. J'ai consommé ces contenus-là, et c'est hyper inspirant. Vraiment, bravo, Sébastien, tu es à des années-lumière en fait de beaucoup d'autres, tu vois, par rapport à tous ces process en interne. Moi, j'avais trouvé ça hyper smart. Ça m'a vachement inspiré, honnêtement. Allez voir, ouais, ces 3 pages, honnêtement, il y a. Vous juste parcourez le site de Entrepreneur Libre là, de Sébastien, vous allez voir que c'est. Il y a tellement de choses à modéliser, c'est une vraie formation. Les choses sont vraiment avancées, quoi. Ça, nos principes, notre manifeste, notre Dream Team. Moi, j'avais lu, j'avais kiffé. Et je pense qu'on va te copier, Seb. On va te copier ces 3 pages-là. Parce que je me rappelle que ça avait allumé plusieurs lumières. Nous contacter, ok. Tiens d'ailleurs, là on précise pourquoi on va être contacté. Vous voyez, le maximum de process, j'imagine que c'est pour distribuer l'email à la bonne personne. Alors à quoi ressemble le blog? On a un titre, on a une vignette, là on a la sidebar, ok. Ah, on a directement le lien cliquable vers la vidéo YouTube. Et là, j'imagine c'est l'introduction, voilà, de ta vidéo. Et j'imagine que c'est ce texte-là que tu réutilises également dans tes relances mail pour puber, pour diffuser la vidéo. Ok, je fais exactement la même chose. Qui suis-je? 2 minutes. Au cours des 5 dernières années, Sébastien Knight, surnommé le marketeur français, a aidé des milliers d'entrepreneurs. Ok, donc une voix off à la troisième personne avec plein de social proof. Alors, dans plus de 30 pays différents. Une idée peut changer les règles du jeu. Le pari qui confirme que. Ok, donc là, c'est la page qui liste tous les articles d'une catégorie. Même chose. Ok.
Expert business immersion. Tiens, je vais modéliser ça. Je vais m'intéresser. 3 jours pour tirer parti des opportunités insoupçonnées, apprendre à les utiliser avec un effet de levier maximal pour décupler vos résultats. Séminaire virtuel. Formateur, coach, expert, vous avez déjà une activité. Alors ça me parle beaucoup là, ton tunnel. Tiens, là, en fait, ça va scroller en fait quand directement en bonne section. Programme, tarif, pourquoi participer à vos questions. J'aime, marketingment parlant, là, d'un point de vue tunnel, j'aime beaucoup ce modèle-là. Décupler vos résultats, ok, la grosse promesse, storytelling, social proof avec Jay Abraham, qui est l'un des une légende du vivant du marketing, très clairement. Grâce à ce séminaire de 3 jours. Ah, j'aime bien le modèle. Bravo. Alors, de tous les tunnels de vente que j'ai vus là depuis que je modélise, c'est celui-ci qui me parle le plus. Je me suis beaucoup inspiré de la façon dont Sébastien propose ses garanties. Il est vraiment remarquable. D'un point de vue niveau de marketing digital, parmi tous ceux qu'on a vus, c'est Sébastien le plus avancé, selon moi. Note que, au passage, on voit, selon moi, tiens, je peux le partager d'écran, je peux passer en plein écran parce qu'il y a des choses super intéressantes à dire. C'est que, on voit où passe l'énergie de chacun. C'est-à-dire que tu vois, David Laroche ou Franck Nicolas vont mettre beaucoup d'énergie dans les contenus. Franck Nicolas, il fait beaucoup de contenus longs, je crois, live, improvisé. David Laroche crée des contenus qui sont beaucoup plus chiadés. Lui, il va plus solliciter un studio, récupérer les vidéos pour faire des petites capsules sur Instagram, tout ça. À l'opposé, où Franck Nicolas, lui, fait beaucoup de conférences longues. Ils ont des grosses audiences. Leur marketing digital, il est bien, il est remarquable, mais il n'est pas ouf, tu vois. Et je trouve que c'est Sébastien Knight, là, jusqu'à présent, qui a le marketing le plus sophistiqué, le plus précis, le plus évolué, le plus avancé. Et ça va avec sa philosophie aussi de travailler le moins possible et de créer le moins de contenu possible. Foire en question, ok. Ah, il n'y a pas beaucoup de... Ah, tu as segmenté. Tu as fait plusieurs FAQ, là, si j'ai bien compris. Yes. Donc, tu as segmenté tes FAQ. J'allais dire, putain, il n'y en a pas beaucoup. Donc là, pareil. Alors, je vous invite à aller voir les FAQ de Franck, du marketeur français. Pourquoi ? Parce que là, enfin, j'ai déjà vu ces FAQ. Et comme je vous le disais, de tous les tunnels, là, je trouve que c'est celui de Seb le plus avancé. Même son site web, en fait, il fonctionne un petit peu comme un tunnel. Et... les FAQ, en fait, sont des opportunités de casser les objections. En fait, c'est le seul but des foires en question, casser les objections. Et donc, bah, je vous invite à aller voir ces questions, en fait, comment ils transforment chacune des objections en question. Et la réponse sert à briser une objection. Vous allez voir, c'est très, très inspirant. Ok, il y a beaucoup de contenu là, je trouve, hein, pour une pop-up. Hein. Si je vais là. Ok, donc tu vois, il y a l'expérience gratuite et l'expérience payante. Notez que les séminaires virtuels, maintenant, on appelle ça des challenges. Ok, je vais garder cet onglet ouvert parce que je pense que je vais y retourner, m'y attarder un peu plus tout seul en dehors de cette vidéo. Des ouvrages de référence. Donc là, il va nous montrer son livre, ses livres. Je viens de terminer l'interview là avec Olivier Granochard et le constat que je faisais, c'est que tous les infopreneurs, coachs, consultants, leaders d'opinion, influenceurs, blogueurs, leaders d'opinion, bref, qui font des millions, souvent sont bons en marketing, mais ne sont pas tous des tueurs en marketing. Et t'en as en fait qui font des millions, mais qui, tout en étant mauvais en marketing. Par contre, ce que tu peux voir, quel est le point commun qu'ils ont tous, c'est qu'ils sont tous auteurs de plusieurs livres, d'un ou plusieurs livres. Donc ça, je vais voir plusieurs fois. Ah, j'ai pas YouTube. Franck Nicolas, pourquoi ? Parce que dans la vidéo précédente, je comparais en fait les ratios nombre d'abonnés, nombre de vidéos avec le volume de recherche dans Google Trends. Là, je vais vider ça. Et il y avait donc deux autres personnes que je souhaitais modéliser encore, qui sont Max Piccini
Et j'avais failli oublier Olivier Roland. D'ailleurs, grosse dédicace pour Olivier Roland, c'est que son blog des livres pour changer des vies, est-ce que je l'ai là? Ce livre-là, donc qui s'appelle Des livres pour changer des vies, a vraiment changé ma vie, mais vraiment au sens propre. C'est-à-dire que quand j'ai découvert, je déteste cette pop-up là, vous sentez-vous chanceux avec la Wills là? La chance, je ne crois pas qu'on la trouve, je crois qu'on la crée. Mais bon, je reviens sur Des livres pour changer des vies. Ce site a vraiment changé ma vie. C'est-à-dire que je suis allé dessus, j'ai lu des résumés de livres, j'ai acheté plein plein de livres. C'est là que je me suis mis à lire des livres de développement personnel. Donc, gratitude, merci beaucoup, Olivier Roland. Vraiment, ce site-là, il a vraiment changé ma vie au sens propre. C'est là que je suis passé de l'état d'esprit de stagnation, de rester sur place, à l'état d'esprit de croissance. Franchement, j'ai tellement de gratitude là pour Olivier Roland et ce site. Donc, on va aller voir son site Olivier Roland. Il met quoi? Il fait son site. Donc là, il met que en avant son activité d'auteur et donc son livre. Tu vois, on voit que son site olivierroland.com est dédié uniquement au livre. Mon livre, où le trouver? Témoignages, études de cas des lecteurs, conférences. On va aller voir conférences, presse et blog. Qui Olivier Roland, ses réseaux sociaux, où acheter le livre et les différentes expériences, puis librairie, numérique, livre à domicile, ok. Social Proof, Oussama Hamar, Vincent Normal, alors je connais pas, Martin La Tulipe, ok, on connaît. Ses principaux blogs. Donc le site là, il est très minimal. Ouais, c'est un site d'auteur, quoi, grosso modo. Une conférence, ok. Donc là, tu vois, à chaque fois, il parle de tout ça, c'est du contenu qu'il y a à son livre, je pense. Ou non, c'est des conférences, par exemple. Bonjour à tous. Ok, donc c'est que des conférences pour mettre du social proof, quoi, j'imagine. On va voir. Salut les gens qui se bougent. Pas Comment? forcément, ok. Donc, j'ai pas compris la logique utilisée dans le choix des vidéos. J'imagine qu'il y a. On est sur la page conférence, donc ça doit être des Bonjour, conférences ici quelque Olivier part. Roland et bienvenue dans. J'avais chanté comme ça devant tout le monde avant ma présentation, ça avait donné beaucoup de dynamisme. Alors j'ai dit à... Ok, donc vous voyez, à chaque fois, il va parler de ses conférences, je pense d'ailleurs, hein, l'URL, ses conférences. Je ne vais pas tout regarder, mais ça donne la météo, quoi. La page presse, c'est quoi? Voilà, donc là, il y a le kit presse. On peut voir, il y a un zip qui va contenir certainement des photos. Vous pouvez télécharger les images pour écrire votre article et parler du livre. Voilà, chère presse. Voici un aperçu des articles. Donc là, si les gens veulent de l'inspiration. Ah, on voit qu'il y a des articles sponsorisés sur Forbes, Challenge, Figaro, BFM. OK, donc il est passé par un attaché de presse. Ça se fait. Hein, donc il y en a qui critiquent et tout. Moi, je trouve ça bien. Je trouve que les gens, quand ils payent cher des articles comme cela, ça montre qu'ils estiment que leur message mérite cet investissement. Donc, je trouve ça très légitime et très bien, moi. Là, on a le blog. On va aller voir. Donc, on peut voir le nom de l'auteur, c'était masqué. Donc, c'est pas Olivier Roland. Des articles process, ok, étape, X étape. J'imagine inspiré des vidéos de sa chaîne YouTube. Et voilà. Donc, tu vois comment. Comment diminuer votre stress? Quatre étapes pour gérer son stress. Étape 4. Ok, donc vous voyez bien, c'est sa vidéo qui est transformée en article de blog. Alors, je sais pas, ça n'a pas l'air d'être du transcript, mais de la transformation en blog. C'est cool. Notez au passage que moi, longtemps, je me suis interrogé, est-ce qu'il vaut mieux mettre la vidéo en haut ou en bas? Et là, en tant qu'expert SEO, je pense que quand c'est transcripté comme ça, il vaut mieux mettre l'article, pardon, la vidéo en bas. Pourquoi? Parce que la personne, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va lire l'article, ou peut-être elle va le scanner. Certains vont le lire, d'autres vont le scanner. Et quand tu arrives en bas de page, tu lances la vidéo et boum, tu restes 1 minute de plus. Et donc, tu augmentes le signal de niveau de qualité envoyé à Google. Si Google voit que que tu passes 5 minutes ou 7 minutes sur la même page, il se dit boum, ça c'est une page de qualité.
Comment je le sais? Bah, j'ai fait beaucoup de tests SEO et bah, je ne vais pas vous raconter le test là maintenant parce que la vidéo a fait 40 minutes. Félicitations, dites-moi dans les commentaires si vous êtes toujours là. Ça va être trop long, quoi. Donc voilà, la vidéo en bas, c'est vraiment très bien. Là, on est sur le site Blogueur Pro, qui est le site pour vendre la formation d'Olivier Roland. Donc en page d'accueil, on a les derniers articles qui sont liés au marketing, au blogging, SEO, les piliers d'une stratégie SEO, okay, donc tout ce qui est lié au blogging. Vivre la vie de son rêve grâce à votre blog. Donc là, on a un e-book. J'imagine que c'est une conférence, le contenu d'une conférence en ligne, un webinar qui a été transformé en e-book. Ces vidéos, donc là, ça va être les vidéos qui sont uniquement dédiées à Blogueur Pro. Okay, des témoignages, des études de cas, interviews, vidéos favorites. Okay. Et donc, j'imagine que tout est aligné avec la vente de Blogueur Pro ou la préchauffe, en fait, d'une audience pour la préparer au prochain lancement de Blogueur Pro. Des articles à propos d'Olivier, débutant, commencer ici, si on va les voir. Donc, cette vidéo qui te prépare, en fait, je pense que c'est l'équivalent d'une conférence de vente. Dites-moi dans les commentaires ceux qui ont suivi déjà tout ça, si je me trompe ou si j'ai raison. J'imagine que c'est le même message de vente transformé en plusieurs vidéos. Les témoignages, les ressources. Donc, les ressources, les outils, j'imagine que c'est plein de liens d'affiliation. Même pas forcément. Cool. Bah, je vois pas pourquoi il s'abstiendrait de mettre des liens d'affiliation, quoi. Il aurait juste. Ouais, tu vois, c'est bon. R égale. OK. SA égale. OK. Ouais, bah, ils ont raison. Ça sert à ça l'affiliation de toute manière. Hein. Okay. Beaucoup de générosité quand même. Hein. Et voilà. Bon, on a fait le tour. Cette vidéo a duré 42 minutes. Bravo à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Donc on a vu les différents modèles de page de vente, page d'accueil. Moi maintenant je vais m'en inspirer pour créer la prochaine formation, comment créer un site web d'influenceur, pro, infopreneur, je ne sais pas comment je vais brander ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ça vous a appris des choses. Pensez à aller voir le site Entrepreneur Libre de Sébastien Knight, je pense que c'est lui le plus évolué d'un point de vue marketing. Et je viens de réaliser que je n'avais pas relancé le partage de vidéos. Le partage d'écran, mince. J'ai oublié de refaire ça. Ok, bon, c'est pas grave, j'apprendrai la leçon. Au moins, vous avez bénéficié des audios. Dites-moi si vous êtes resté jusqu'à la fin ou pas. Bravo si c'est le cas. Et je vous dis à très bientôt. Je me sens trop con. Bye bye, ciao ciao. Au moins, vous savez que c'est du live.